La grâce et la paix vous sont données de la part de Dieu notre Père, en Jésus-Christ, notre Sauveur et notre Frère. Soyez les bienvenus ce matin pour ce culte très ordinaire et un peu spécial quand même, puisque ce matin, la paroisse Saint-Pierre accueille ses deux nouveaux pasteurs, Bruno Gérard et moi-même. Moi, vous me connaissez un petit peu. Bruno, on va le découvrir avec grande joie. C'est lui qui va nous donner la prédication tout à l'heure. Un peu spécial aussi parce que c'est la semaine de la rentrée et puis c'est la reprise d'un tas de choses, d'un tas d'activités. On se réjouit de les voir reprendre puisqu'on a été privé de pas mal de choses ces derniers mois et on espère que les choses vont se normaliser petit à petit. La paroisse Saint-Pierre vous proposera cette année, comme chaque année, des moments de halte, des moments de pause pour vous déposer devant celui qui nous accueille tel que nous sommes, le dimanche et chacun des autres jours. Et puis, c'est aussi un culte tout à fait ordinaire, un culte du dimanche matin, un culte pour lequel vous avez pris une pause, le temps de venir, pour vous mettre à l'écoute d'une parole qui relève, qui déplace, qui nourrit, qui parfois dérange. Alors oui, soyez les bienvenus ce dimanche et chaque jour de votre vie. Pour ce matin, j'ai choisi pour la liturgie de mêler mes mots à ceux du pasteur André Dumas, qui va guider nos prières, guider plusieurs moments de la liturgie et les psaumes, comme toujours. Je vous invite à la prière. Notre Dieu, nous voici devant toi ce matin. Nous sommes venus peut-être par habitude, peut-être par curiosité, peut-être par soif, peut-être par amour, peut-être par désespoir, ou peut-être sans trop savoir pourquoi. Alors notre Dieu, ce matin, annonce-nous l'Évangile comme une nouvelle bonne qui chaque année, chaque matin, résonne plus fort que le destin et le déclin, plus clair que l'incertitude et l'ambiguïté, plus juste que les idoles, les idées et les idéologies, plus vrai que les tragédies et les utopies. Ton évangile n'est pas un mythe forgé par les humains pour s'expliquer l'inconnu. Il n'est pas un conte inventé par les humains pour bercer leurs frayeurs et combler leurs désirs. Il n'est pas une tradition pour fournir une identité à un groupe. Il n'est pas une ancienneté qu'on se répète le dimanche matin comme une comptine ou une ritournelle. Ton évangile est une surprise, la surprise de la promesse faite à Abraham et à David, la surprise de la parole venue en Jésus-Christ, de la parole attendue jusqu'au royaume. Oui, ton évangile est toujours une surprise pour nos vies habituées à l'ensevelir. Il est une reprise, car il serait plus tentant de filer ailleurs que là où nous avons commencé, de laisser filer la foi en infidélité, la confiance en inconstance, ou la persévérance en délaissement. Ton évangile est une reprise incessante de nos vies. Comme toi, tu t'es sans cesse repris pour secouer le monde, lancer ta parole, livrer ta vie. Notre Dieu, si nous savons nous laisser annoncer l'Évangile, nous pourrons le laisser s'annoncer aux autres à travers nos vies. Alors viens toi-même ce matin ouvrir nos êtres pour nous annoncer l'Évangile. Amen. Et je vous invite à vous lever pour chanter notre premier chant, le 51, les trois strophes. Thank you.
C'est ce matin le psaume 146 qui va porter notre louange, notre émerveillement devant la vie. Alléluia! Que mon être loue l'Éternel. Toute ma vie, je louerai l'Éternel. Le reste de mes jours, je jouerai pour l'Éternel. Ne comptez pas sur les puissants ni sur les humains. Ils ne peuvent apporter le salut, leur souffle s'éteindra. Ils retourneront à la poussière. Leurs projets s'évanouiront en fumée. Que se mette en marche celui qui a pour aide et vis-à-vis le Dieu de Jacob, celle qui a pour espoir l'Éternel, son Dieu. Lui qui crée la terre et les cieux, la mer et tout ce qui s'y trouve. Il est celui qui garde la vérité pour toujours. Lui qui fait droit aux opprimés, qui donne du pain aux affamés. Il est l'Éternel qui relâche les prisonniers. Lui qui ouvre les yeux des aveugles. Il est l'Éternel qui redresse ceux qui sont courbés et qui aime les justes. Lui qui est l'Éternel gardant les immigrés. Il soulage l'orphelin et la veuve et il dévie le chemin des méchants. L'Éternel règne pour toujours. Il est ton Dieu, Sion, de génération en génération. Alléluia. Oui, Éternel, tu es celui qui agit dans le monde, qui continue ta création encore aujourd'hui dans nos vies. Et tu es aussi celui devant qui nous pouvons nous regarder tels que nous sommes. Des êtres encore en croissance, pleins de contradictions, de gouffres, de petites et de grandes lâchetés. Nous avons besoin de déposer devant toi ce poids lassant. Nous avons besoin que cessent les alibis et les excuses qui ne trompent personne, et surtout pas nous-mêmes. Nous avons besoin que cessent les regrets, les tourments, qui ne délivre personne et surtout pas nous-mêmes. Nous avons besoin de déposer entre tes mains ce sac de nœuds où nous étouffons en vain. Nous avons besoin de toi, Éternel, pour dire notre trouble, notre honte secrète. Nous avons besoin d'en finir avec les soucis qui nous assaillent du dehors, avec les tourments qui nous rongent du dedans. Nous avons besoin de nous appuyer sur ta bonté et ta puissance. Oui, Éternel, nous avons besoin de toi. Amen. Les paroles de grâce nous viennent ce matin du livre de Jérémie. Elles ont été adressées à des hommes et des femmes il y a très longtemps, des exilés, et elles parlent encore aujourd'hui à nos exils intérieurs ou extérieurs. Voici ces paroles que Dieu nous adresse à travers la bouche du prophète. Construisez des maisons, habitez-les, plantez des jardins, mangez-en les fruits, prenez des épouses, des époux, donnez naissance à des fils, à des filles, mariez-les pour qu'ils donnent naissance à leur tour. Oui, multipliez la vie. J'ai formé pour vous des projets de bonheur et non de malheur. Je vous donne un avenir et une espérance. Vous me chercherez
et vous me trouverez. Vous me chercherez au fond de vous-même, et je me laisserai trouver par vous. Je vous restaurerai, je vous rassemblerai. Vous serez pour moi un peuple, et je serai pour vous votre Dieu. Amen. Et je vous invite à vous lever pour chanter le 218, les trois strophes. Avant d'ouvrir les Écritures, prions. Seigneur, touche nos oreilles, délie nos langues, ouvre-nous à ta parole. Amen. Et nous lisons dans Ésaïe 35, les 7 premiers versets. Que le désert et la terre aride manifestent leur joie, que le pays sec pousse des cris de joie et se couvre de fleurs aussi belles que les lys. Oui, qu'il se couvre de fleurs et qu'il pousse des grands cris de joie. Le Seigneur lui a donné la splendeur des montagnes du Liban, l'éclat du mont Carmel et de la plaine du Saron. On verra alors la gloire du Seigneur, la splendeur de notre Dieu. Rendez la force aux bras fatigués, affermissez les genoux qui chancellent. Dites à ceux qui perdent courage, ressaisissez-vous, n'ayez pas peur. Voici votre Dieu. Il vient vous venger et rendre à vos ennemis le mal qu'ils vous ont fait. Il vient lui-même vous sauver. Alors, les yeux des aveugles s'ouvriront, les oreilles des sourds entendront. Alors, le boiteux bondira comme un cerf et le muet exprimera sa joie, car de l'eau jaillira dans le désert, des torrents ruisselleront dans le pays sec. Le sable brûlant se changera en étang et le pays de la soif en source jaillissante, à l'endroit même où les chacals avaient leur repère, pousseront des roseaux et des joncs.
Et nous disons dans l'évangile de Marc, au chapitre 7, on amène à Jésus un homme sourd qui a de la peine à parler, et on le supplie de poser la main sur lui. Jésus l'amena à l'écart, loin de la foule, il mit ses doigts dans les oreilles de l'homme et lui toucha la langue avec sa propre salive. Puis il leva les yeux vers le ciel, soupira et dit à l'homme « Ephphatha », ce qui veut dire « ouvre-toi ». Aussitôt ses oreilles s'ouvrirent, sa langue se délia et il parlait correctement. Jésus recommanda aux gens de n'en parler à personne, mais plus il leur recommandait, plus il répandait la bonne nouvelle. Les gens étaient impressionnés au plus haut point. Ils disaient « Tout ce qu'il fait est vraiment bien. Il fait entendre les sourds et parler les muets. » Mesdames et messieurs, venez le voir, le grand guérisseur de Galilée. Il redresse les boiteux, il redonne la vie aux aveugles, il délie les langues. Après avoir passé les territoires de Tyr, de Sidon, le voici dans la Décapole. Celui, l'unique qui marche sur les eaux, j'ai nommé Jésus, Jésus le Fils de Dieu. Voilà ce qu'aurait pu dire le chauffeur de salle du cirque sur la plaine de Plainpalais, pour introduire Jésus dans les lieux qu'il fréquentait. Tellement, tellement l'Évangile nous donne l'impression que Jésus est devenu une bête de foire, une attraction, un magicien guérisseur. Si nous remontons cet Évangile de Marc de quelques versets plus haut, nous pouvons lire « Ils sortirent de la barque, c'est-à-dire Jésus et ses disciples, et aussitôt on reconnut Jésus. Les gens coururent alors dans toute la région et se mirent à lui apporter les malades sur leurs nattes, là où ils entendaient dire qu'il était. Partout où Jésus allait, dans les villes, les villages ou les fermes, les gens venaient mettre leurs malades sur les places publiques et supplier Jésus de les laisser toucher au moins le bord de son manteau. Tous ceux qui le touchaient étaient guéris. » Waouh ! Jésus, superstar avant l'heure. Car là, il n'est pas question de foi, il n'est pas question de conversion, mais juste de gestes mécaniques de guérison. Et si les gens viennent à Jésus, ce n'est pas pour entendre une parole, mais uniquement pour être guéris. En tout cas, voilà comment cet évangile de Marc
nous présente ces gens de la Décapole. Oh, l'image n'est pas flatteuse pour ces personnes en attente de miracles. Remarquons que finalement, nous pouvons aussi parfois avoir notre reflet dans l'attitude de ces habitants-là, un reflet de nos comportements face à Dieu, face à Jésus. En temps de crise, d'urgence, n'avons-nous pas été parfois tentés de nous tourner vers la divinité pour demander une intervention miraculeuse? Face à la maladie, n'avons-nous pas demandé une guérison rapide, même sans trop y croire? Cela arrive d'attendre le miracle, l'intervention extraordinaire, même pour des situations de vie banales. L'autre jour, un jeune homme me disait « prier pour avoir une place de parking quand il rentrait en centre-ville le soir ». Cela peut faire sourire, mais parfois nous dérangeons Dieu, Jésus, pour des motifs plus ou moins louables. Venez le voir, le grand guérisseur de Galilée, il redresse les boiteux, il vous garantit une place de stationnement le vendredi à 19h. Voici ce que nous pourrions peut-être déclamer sur le parvis de la cathédrale pour attirer les foules. Ah, cela ne nous ressemble pas tellement. D'ailleurs, devant ces demandes qui lui sont adressées, devant les agissements des gens qui viennent à lui, Jésus soupire, puis levant son regard vers le ciel, Jésus soupira. Le soupir de Jésus. Jésus soupire devant l'humanité en souffrance. Jésus soupire devant l'incrédulité de cette foule qui le pousse à faire des gestes qu'il n'a pas envie de faire. Jésus soupire souvent devant notre incapacité à comprendre ce qu'il veut nous apporter. Jésus soupire. Remontons aux racines de ce soupir. Dans le texte grec, il s'agit du mot sténazein, qui peut être traduit par gémir, comme on le trouve dans Romains 8. Nous aussi qui possédons les prémices de l'esprit, nous gémissons intérieurement. Jésus soupire, Jésus gémit devant ce ministère. On peut expliquer ce gémissement par plusieurs hypothèses. Puisqu'il s'agit d'un rite de guérison, comme il s'en pratiquait beaucoup dans ces contrées à l'époque, c'était un rite parfaitement codifié qui comprenait peut-être des prières, des touchés, des gestes et des gémissements. Cela n'est pas improbable. Jésus suit un protocole médical. Les gens lui demandent cela, il s'exécute. Cette hypothèse explique pourquoi ce soupir-gémissement vient au milieu du rite de guérison et pas au début quand on lui amène l'homme. Jésus gémit, et c'est la deuxième hypothèse, car il désespère devant le nouveau cas qu'on lui amène. Il désespère d'avoir à demander au Père un nouveau miracle sans contrepartie.
Alors, il va tout faire pour tenter de réduire le spectaculaire. On l'a lu. Il va s'écarter de la foule pour éviter que la guérison ne devienne uniquement spectacle. Cette hypothèse du gémissement de désespoir et d'exaspération a le mérite d'expliquer le commandement de garder le silence sur ce qui s'est passé. Pour Jésus, toujours, le plus important est la rencontre avec une femme, un homme, jamais le miraculeux. Soupir thérapeutique, soupir de désespoir, gémissement rituel, gémissement de dépit. Il n'est pas évident de statuer. Pourtant, ce soupir-gémissement creuse et marque le fossé qui se crée entre ce que veut faire Jésus et la réception de ses actes. En bref, il y a distorsion et Jésus s'avère bien incapable de rectifier. Et curieusement, avec cet homme, il ne tente même pas un dialogue. Il s'exécute. Problème de communication. Et c'est un peu un comble pour Jésus qui fait entendre les sourds et parler les muets. Pourtant, force est de constater qu'à ce moment-là, le message ne passe pas, la communication dérape. Et pourtant, Jésus s'emploie à utiliser tous les modes de communication pour le faire passer, ce message. Alors revenons au texte. On ne sait pas trop qui, on lui amène ce pauvre bougre sourd à la parole difficile. La communication orale étant obstruée, Jésus va utiliser le toucher, le goût. Le texte devient même d'une précision incroyable. Même pas très agréable pour un dimanche matin, doigts dans les oreilles, crachat, toucher de langue. Pourtant, par ce biais-là, Jésus a réussi à entrer en communication avec cet homme enfermé dans sa surdité et son mal parlé. Il y a des moments où, quand le verbe ne passe plus, le toucher prend le dessus. Arrêtons-nous et soulignons cet aspect corporel. L'Évangile se conçoit avant tout comme parole vivante, avons-nous coutume de dire dans notre monde réformé. C'est tout à fait vrai, mais un peu incomplet. L'Évangile nous prend aussi à bras le corps. Ne réduisons pas trop vite la bonne nouvelle à une parole. Elle se transmet aussi par d'autres canaux. Jésus nous rencontre dans notre humanité charnelle, même lorsque nous sommes enfermés, liés par nos souffrances. Et le miracle se produit. Le miracle se produit. Les oreilles s'ouvrent, la langue se délie. C'est la traduction exacte. L'homme est délié, délivré de ses maux et retrouve les mots. Avec Jésus, il retisse la toile de la communication. Et en arrière-plan, il y a toujours les autres, la foule des suiveurs. Ils ont trouvé leur rôle en amenant cet homme à Jésus. Pourtant, le texte donne l'impression que ces hommes et ces femmes qui sont venus vers Jésus
n'ont pas su apprécier la véritable saveur de la rencontre avec le Maître. Ils ont amené un sourd. Remarquez comme l'expression est crue. Pas un homme atteint de surdité, non, un sourd. Et à la fin du texte, qu'ont-ils retrouvé un sourd qui entend. Vous voyez le problème. Ils ne bougent pas d'un iota dans leur façon de voir le monde et les autres, de communiquer aux autres. Ils restent dans leur catégorie. L'homme maintenant entend, mais il reste le sourd qui entend. Avec Jésus, il n'évolue pas. Il venait voir celui qui fait bien les choses, qui fait entendre les sourds et parler les muets. C'est ce qu'ils ont vu. Là aussi, ils n'ont pas avancé d'une encablure. Ils sont restés liés dans leurs a priori, dans leur petit carcan confortable où toute chose trouve sa place. Ils sont restés fermés. Devant nous, dans cet évangile de Marc, Jésus dresse et nous invite à un contre-modèle. Ephata, ouvre-toi, dit Jésus à l'homme sourd et mal parlant. Ephata, ouvre-toi, nous dit Jésus, quand nos certitudes nous lie. Ephata, ouvre-toi pour fissurer le mur de nos prisons. Cette exhortation ne relève pas d'une formule magique ou surnaturelle. C'est la prière de Jésus qui se bat inlassablement pour nous et nous rencontre chacune, chacun, individuellement. Ephata, c'est une invitation à ressentir sa présence, comme dans un frôlement d'oreille ou un picotement sur notre langue. Amen.
Je vous invite à la prière d'intercession. Éternel notre Dieu, nous te prions ensemble, dans cette communion qui nous rend tous égaux, dans ce dépouillement qui efface nos distinctions, dans cet anonymat où chacun, chacune se sait nommé par son nom. Tu es venu, notre Dieu, pour celles et ceux qui sont malades. Tu ne te détournes pas de celles et ceux dont le cœur est perclus et le corps boiteux. Tu viens pour nous guérir, pour balayer nos démons intérieurs, pour nous rétablir dans l'usage de nos facultés et dans la relation avec toi. Libère-nous de notre honte, de notre peur face à la maladie, à la mort, au handicap, qu'ils soient les nôtres, ceux de proches ou de moins proches. Fais que ces réalités restent à leur juste place, au lieu de prendre toute la place dans nos regards et dans nos vies. Offre ta lucidité et ta compassion à celles et ceux qui soignent, qui accompagnent, qui soulagent nos maux intérieurs et extérieurs, et qui se font ainsi tes mains, tes bras, tes maux dans le monde. En cette période de reprise scolaire, nous te confions particulièrement les enfants, les jeunes et les adultes qui les accompagnent sur le chemin de la croissance. Aide-les à ancrer leurs racines pour déployer leurs branches et porter du fruit dans notre monde. Nous déposons aussi devant toi tous ces hommes, ces femmes, ces enfants qui prennent la route de l'exil pour fuir la guerre. Et celles et ceux qui ne peuvent pas le faire et qui doivent rester et vivre dans des zones où le danger est omniprésent. Toi qui accompagnes tous les chemins de libération, ouvre des espaces de respiration et de repos. Recueille en ton amour celles et ceux qui se couchent au bord du chemin pour ne jamais se relever. Nous te prions enfin pour nous, pauvres véhicules de ton évangile, pour nous qui peinons à le vivre et qui avons tellement besoin de ta présence à nos côtés, de ton appel à avancer, de ta lumière sur notre chemin. Et toutes nos prières, nous les rassemblons dans celles que Jésus, ton Fils, nous a laissées et que nous te disons ensemble. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer dans la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. C'est bientôt la fin de ce culte, mais avant, il y a quelques annonces à faire. D'abord, un grand merci à vous pour votre présence priante, célébrante à nos côtés, avec nous. Des remerciements plus particuliers à Vincent pour la musique, toujours magnifique, à Bruno pour la prédication, à vous qui avez fait l'accueil et qui avez préparé la cathédrale, à K.O. qui nous filme et qui nous met en ligne pour que la parole porte plus loin que les murs de la cathédrale, qui sont déjà larges, mais encore un peu plus loin. Un culte, c'est toujours un travail d'équipe. Le prochain culte, c'est moi qui le présiderai dimanche prochain ici, il y aura des baptêmes. Le 19, notez dans vos agendas, ce sera le culte d'installation du conseil de paroisse qui n'a pas pu avoir lieu l'année passée après les élections et qui aura lieu juste cette semaine-là. En même temps, Bruno et moi serons installés tout à fait officiellement comme
pasteur de Saint-Pierre, et ce sera le culte d'adieu d'Emmanuel Roland. Et pour fêter tout ça, il y aura normalement un après-culte après, si la météo nous est favorable. Donc retenez le 19 et le 20, l'Assemblée générale de la paroisse et l'inauguration de la nouvelle salle. J'ai dit tout à l'heure, c'est la rentrée, donc c'est la reprise d'un certain nombre d'activités et vous trouverez à la sortie, ou bien peut-être vous avez déjà pris, à la fois le Saint-Pierre Info de cette semaine, qui vous donne simplement les informations de la semaine, et puis le flyer pour les offices avec cœur que nous déplaçons cette année au samedi soir. Vous aurez toutes les dates et toutes les informations sur ce flyer, et puis un nouveau rendez-vous, un lundi une fois par mois, pour prier ensemble, méditer la parole, faire une place au silence et partager la scène. Si vous avez des questions, vous pouvez vous adresser à moi ou à Bruno à la sortie. Et puis d'autres rendez-vous reprendront progressivement après le Jeune Genevois et notamment les offices du milieu du jour le jeudi. Et puis les activités catéchétiques des enfants reprennent à partir de cette semaine, depuis les plus petits du primaire jusqu'aux grands qui se préparent au baptême et à la confirmation. Voilà, j'en ai fini avec les annonces. Il me reste juste à vous inviter à vous lever pour notre dernier chant pendant lequel sera recueillie votre offrande, puisque notre Église ne vit que de vos dons et uniquement de ceux-là et qui lui permettent d'annoncer l'Évangile au plus grand nombre. C'est le 409, les trois strophes que nous chantons maintenant. Je vous invite à rester debout pour recevoir les paroles d'envoi et de bénédiction. La parole d'envoi nous est donnée par le pasteur André Dumas. Nous ne savions pas qu'il y aurait un encore. Nous avions pensé que plus rien d'important ni de gracieux ne surviendrait. Nous étions devenus celles et ceux qui affichent fermés pour cause de saturation ou de dénuement, pour fadeur de l'habitude ou pour douleur du souvenir. Et voici qu'il y a encore quelqu'un qui nous découvre et que nous découvrons. Et voici qu'il y a encore une parole à connaître et à savourer. Et voici qu'il y a encore un travail à faire. Et qu'il y a même encore du repos et des vacances à prendre. Nous ne savions pas que nous pourrions dire encore sans le pli amer de la bouche qui retombe, avec le pli curieux de l'œil qui s'allume. Il y a encore cette prière que nous pouvons déposer sans nous y endormir.
Il y a encore cette église que nous pouvons fréquenter sans nous y ennuyer. Il y a encore nos enfants, nos petits-enfants, nos parents, nos grands-parents que nous pouvons chérir sans nous y énerver. Il y a encore la culture et la beauté où nous pouvons nourrir nos esprits sans blaser nos goûts. Oui, notre Dieu, donne-nous ces « encore » que ta bonté a préparé d'avance pour celles et ceux que tu aimes. Et pour préparer vos cœurs à recevoir et à vivre ces « encore », recevez chacun, chacune, la bénédiction que Dieu vous adresse personnellement. L'Éternel te bénit et te garde. L'Éternel lève vers toi son visage et t'accorde sa grâce. Il fait rayonner sur toi son visage et te donne sa paix. Va dans sa paix. Amen.